la Méditerranée. Entre deux mondes en lutte, les croisés se sont levés pour les lieux saints sans dispute. Somme enfants saints, urbains de leurs appels. Jérusalem, ils rêvent de te voir fidèle. Mais Saladin, on est en fête. Reprends la ville, les chrétiens pleurent le ciel. Chrétiens, musulmans, sur la mer et la terre. Des guerres, des échanges, des savoirs qu'on espère. La Méditerranée, berceau des nations. Par la guerre et le commerce, on trouve des solutions. L'Occident et l'Orient échangent dans les ports. Les soies et les églises font naître de l'or. Venise, chaîne au XIIIe siècle s'élance. Construisant des empires avec persévérance. Les comptoirs s'installent dans des villes lointaines. Le commerce les rapproche et pourtant tous les frères. Chrétiens, musulmans, sur la mer et la terre. Des guerres, des échanges, des savoirs qu'on espère. La Méditerranée, berceau des nations. Par la guerre et le commerce, on trouve des solutions. Mais au-delà des guerres, naissent des idées. Les chiffres et la science se mettent à circuler. Tolérance en Andalousie, sur les terres de Sicile. Les savants, les artistes créent un monde fragile. L'art se mélange, la culture se nourrit. Byzance, l'islam, l'Occident, tous unis. Chrétiens, musulmans, sur la mer et la terre. Des guerres, des échanges, des savoirs qu'on espère. La Méditerranée, berceau des nations. Par la guerre et le commerce, on trouve des solutions. 40 attendeuses, la reconquista finie. À Grenade, les chrétiens remportent la partie. Les mondes se séparent, mais les traces sont laissées. Sous les œuvres et les routes dans l'histoire entremêlées. Les croisades sont finies, mais le lien est resté. Entre Orient et Occident, une histoire partagée. Chrétiens, musulmans, sur la mer et la terre. Des guerres, des échanges, des savoirs qu'on espère. La Méditerranée, berceau des nations. Par la guerre et le commerce, on trouve des solutions. L'Occident et l'Orient échangent dans les ports. Les soies et les épices font naître de l'or. Venise, chaîne au XIIIe siècle s'élance. Construisant des empires avec persévérance. Les comptoirs s'installent dans des villes lointaines. Le commerce les rapproche et pourtant tous les freine. Chrétiens, musulmans, sur la mer et la terre. Des guerres, des échanges, des savoirs qu'on espère. La Méditerranée, berceau des nations. Par la guerre et le commerce, on trouve des solutions.